béni, mesdames et messieurs, béni depuis cette grande journée, accueille le président de la République élu. Béni dans l'effervescence et depuis près d'un kilomètre, son Excellence, accompagnée de son directeur de cabinet et du maire de la ville, font cette marche, accompagnée par la population, comme vous le voyez, de part et d'autre. La joie est dans Béni et Béni espère que dans les prochaines semaines, le fléau Ebola ne sera plus qu'une histoire. Une histoire derrière la loi est là. Il n'y a que 6%. Ça vient, ça part, et là c'est revenu. Voilà, vous nous rejoignez, nous sommes. Madame, c'est quelle avenue? Je ne sais pas. C'est quelle avenue? Nous sommes sur le boulevard Nyamouissi, mesdames et messieurs. Et là, la population est, accompagne, marchant, aux côtés du président, le cinquième élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en communion avec cette population, est descendu, a préféré marcher, comme vous voyez à ses côtés, le directeur de cabinet, Vital Kamerhe, mais ainsi que maire de la ville, ainsi que les grands, des autorités politico-administratives. La joie est dans Béni, mesdames et messieurs. Je peux d'abord chanter les uns. C'est Lissa Malade et les autres. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, il est venu. Il a accepté de faire ce voyage pour toucher, palper du doigt la réalité. Excusez-moi, là, nous allons faire un petit direct, une petite interview. Toujours dans Béni, mesdames et messieurs. Vous entendez à gauche, à droite, Congolais 100%. Wananabiso, Fachi, tout y passe. Regardez les liasses de joie, mesdames et messieurs. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que lorsque le président se déplace, on ne mobilise pas, on informe et la population fait le reste. L'homme qui a contribué à cette victoire, il est là à vos côtés. Jacquemin Chabani, Honora, comment ça va? Très bien. Dites-moi, vous êtes dans Béni, vos réactions à chaud? Une grande joie, une grande joie. Nous avons conquis le peuple du Grand Nord. Et c'est une bonne chose pour la gouvernance, la nouvelle gouvernance que nous allons imposer dans la République. Va nous permettre de ramener la paix et de remettre cette province dans le développement tel que le veut le président Félix Tshisekedi. Voilà, il a tout dit, remettre la province dans le développement au travers, voilà les mamans qui applaudissent. C'est normal que vous voyez plusieurs militaires, je suis en plein milieu, à quelques 5 mètres du président, c'est tout à fait normal. Qui est plus de militaires qu'autre chose, c'est un corridor de sécurité tout à fait normal. Béni étant toujours l'une des villes en RDC qui connaît une recrudescence de la violence, les raisons pour laquelle Grande Réunion va se tenir en ce jour, en ce lieu, avec l'intention de pouvoir trouver les mesures idoines qui permettront à ce que la paix revienne dans cette ville.
que la paix revienne, que la sécurité soit pour tous et que les affaires, les foyers puissent mieux vivre. Donc c'est cela la raison pour laquelle ce voyage a été effectué. Regardez. Tiens-moi ça. Allez, continue. Il n'y a pas de souci. Vous avez un mot, vous qui avez des enfants qui jouent au basket. Tu as vu que le basket, ce n'est pas seulement au Canada et aux États-Unis. Hein. Tu as vu l'école de Bismarck, je suis venu visiter ça. Je vous envoie les vidéos. Ici, c'est au Congo, à Goma. Je vous envoie la vidéo, vous allez regarder. Comme ça, tu crées la même école à Canada aussi avec tes frères. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites. Le gouverneur a expliqué que vous vous êtes disputé l'initiative avec lui. Donc c'est la preuve de l'attachement d'une part, mais de la considération que vous avez voulu manifester envers ma personne. Je vous en remercie infiniment. Et pour terminer, je dirais, nous allons ensemble dans ce partenariat vers la promotion des industries congolaises. En fait, j'ai un rêve secret que j'ai toujours gardé, mais là je vais le partager avec vous. J'espère, en tout cas à la fin de mon mandat, créer au moins quelques milliardaires congolais. Donc, le bonheur de ce pays par rapport à l'emploi et autres. Donc, vous avez en moi un allié solide qui va vous accompagner, vous faciliter toutes les démarches afin de déclore évidemment l'entrepreneuriat congolais. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne continuation dans le monde.
quelle heure, chef? J'ai un recrutement à 13h. Donc, on va faire le même. Faites des photos, faites, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Régulant. Ça va? Tu l'as? Tu as langue? Ok. Simplement vous dire, nous sommes à Goma où nous visitons le centre sportif qui a été mis sur pied par Bismarck Biyombo. Je rappelle que Biyombo est l'une des stars congolaises qui joue dans le NBA et qui a eu à rencontrer le président de la République. À son excellence, monsieur le président de la République, notre emblème ici, je crois qu'on peut appeler. Basé sur la méritocratie. C'est les jeunes qui travaillent le plus, qui s'entraînent le plus, qui sont les meilleurs, qui ont des opportunités. Et parmi ces jeunes, ils viennent pour un niveau de basketball très très élevé et on leur offre des jeunes qui sont les États-Unis. Thank you.
chauffer. Oh, c'est normal. Il doit se chauffer. Shaquille O'Neal était un grand, mais il m'a fait pas payer. Il en avait 4 joueurs. Attends, demain, la séquence, c'est Shaquille O'Neal. C'est pas qu'un son de Shaquille. Non, c'est normal. Il était gardien de but. Bon, maintenant, ma pauvre, elle est. Gardien d'abus. Internat. Gardien d'abus. Internat. Au collège, je te mets ton collège. Vous pouvez le voir, c'est à Goma, mesdames et messieurs. Les jeunes entrepreneurs congolais croient en leur pays, croient en leur jeunesse et arrivent à convaincre des investisseurs pour que ce genre de centres qui sont, comme vous pouvez le voir, il y a une école ici internationale qui préconise l'excellence, l'humanisme et le travail. Nous sommes ici en plein RDC et ceci est possible si vous et moi, la jeunesse et voilà. Le président de la République a tenu à encourager ses investisseurs. Nous sommes venus à Goma pour cela. Encore une fois, bravo Bismarck, bravo à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, investi dans cette école. Les travaux. Didier. Donc, la maïka. On a toqué la maille, tu as fait toquer la maille. Tu as deux bacs. Tu as fait la maille. Ça va, mon frère. Ça va. Voilà, donc la RD est quand même dotée, comme vous pouvez le voir. Il y a là nos Marines qui sont UT Naval, qui accompagnent bien sûr les déplacements nautiques du président de la République. Nous sommes sur ce grand lac. Dites-moi, vous qui... je vais vous parler un peu. Vous êtes dans la marine depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je suis dans la marine. Vous pouvez nous expliquer, lorsqu'on regarde en face de nous, nous sommes... quels sont les autour de ce lac, quelles sont les villes que l'on retrouve? Pas le fort, hein? Il y a l'île d'Udui. Oui. L'île d'Udui. Oui. Voilà, le territoire des Calais. Ok. Et on a une zone de... Une zone